tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai bricolé cette semaine. Donc il y avait déjà la commode que vous avez vu, je vous avais fait une vidéo en image. Donc aujourd'hui je vais vous la montrer terminée. Elle a été terminée hier. Hop, là voici, la voilà. Alors, on va essayer de mettre la caméra un petit peu plus loin pour que vous puissiez la voir. Voilà, on va la monter. Donc voilà la commode. Donc derrière, elle est comme ça. Oups là, elle est un petit peu lourde. Hein, mais... Voilà. Et donc, elle est faite avec 6 tiroirs. Avec des petites poignées argenté, les petits coins argentés, et voilà comment sont les tiroirs. Je vais vous sortir pour vous montrer tout gainé également en dans le tissu fleuri couleur parme. Voilà. Donc il y a un grand tiroir, un plus petit, un grand, un plus petit, un grand, voilà comme ça. Ah, je fais les muscles. Donc là, un petit, un plus grand, ils sont tous gainés pareil, hein, voyez. Ça c'est ce que je viens de vous montrer, et le grand en haut, hop, voilà. Donc là c'est la commode qui a été terminée. Donc là, j'étais contente, et puis je suis contente du résultat. Elle est jolie, elle est fraîche par le tissu. J'aime pas mal. Voilà. J'ai peut-être envie de remettre sur le dessus, peut-être un genre de coussin, comme un petit coussin, je sais pas, un molleton avec le tissu, pour dire de la... Je vais voir. Ouais, j'ai envie de lui faire ça en plus pour avoir une petite. Je vais voir avec la personne qui me l'a acheté si ça lui intéresse que je mette un petit mouton en plus dessus. Donc voilà, je vais la poser. Ensuite, je ne l'ai pas prise avec moi. Attendez-moi 2 secondes. Voici, je l'avais mis dans notre pièce. Voilà, alors ça va être pour le salon. C'est une boîte à ruban ou à dentelle. Voilà, avec son petit couvercle. Donc les rubans et dentelles, on va les faire passer ici, bien sûr. Et voilà son petit, hop, son petit tiroir. Avec un petit cabochon là, en décoration. Voilà. Oui. Donc ça c'est non, je vais la faire pour le comment ? Pour le salon. Là, je dois encore la mettre un peu sous presse. Parce qu'avec les chaleurs, ça a du mal. Donc, je vais encore la mettre un peu sous presse. C'est vrai que la chaleur, c'est vraiment pas bon là, quand on fait du cartonnage. Mais, oui. Ah, en plus, j'ai oublié de vous montrer. Là, j'ai fait les petites poignées comme ça. Pour le tiroir. Le tissu, c'est un tissu qui vient de chez Pick & Patch. Voilà. Donc c'est la boutique de Sylvie, pour celles qui connaissent. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Super beau tissu. Là pour la commode, c'était des tissus qui venaient d'Angleterre, que j'avais trouvé sur eBay. Et je suis en train de faire, donc là, elle n'est pas du tout finie. Hein. Hop, ah oui, elle est énorme.
fonce les... Donc ça va être une boîte à une boîte de brodeuse. Et il va y avoir un couvercle, il va y avoir une ou deux boîtes à l'intérieur. Il va y avoir donc ça pour ce sera recouvert pour pouvoir poser la boîte dessus. Et le couvercle sera fait avec ceci. Ah, je vais m'asseoir à côté. Là. Voilà, et le couvercle sera fait avec cette broderie que j'avais brodée moi-même. C'est une broderie DMC, donc je ferai le couvercle avec ça. On va le mettre dedans. Donc voilà, donc je travaille pas mal là, vous avez vu en ce moment. Et donc c'était comme je vous dis, bon, il y a des créas pour les clientes, il y a des créas pour le salon. Donc le salon, je vais vous mettre l'affichette. Voilà, je vous laisse regarder l'affiche. Donc là, vous avez vu l'affiche, c'est à Carvin, dans le Pas-de-Calais, hein, c'est en bordure du Nord. C'est un salon qui est organisé par l'association... j'ai oublié le nom, je vous mets là, voilà, association, voilà. Désolée Sabine, c'est la personne qui s'occupe d'organiser le salon. Et donc ce salon aura lieu le 19 octobre, donc à Carvin. Donc moi je serai présente. Et je serai présente en tant que créatrice, bien sûr, pour le cartonnage. Et donc j'y mettrai mes créations. Voilà, donc il y aura pas mal de créations pour des petites, des grandes, voilà. Il y en aura vraiment à la, normalement, à enfin pas normalement, c'est sûr, il y en aura à tous les prix et à tous les goûts pour satisfaire un peu tout le monde, voilà. Donc là, bon, c'est vrai qu'on est seulement au mois de juillet, donc vous allez me dire, je suis qu'au mois d'octobre, mais bon, il n'y a pas, il faut que... Il faut vraiment que je m'y mette déjà maintenant parce que j'ai pas envie de courir au mois d'octobre pour faire toutes les créas. Voilà, donc il y a un salon, je sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ans, oui, mais il y a 2 ans, ça fera 2 ans, ben, je crois, à la même période, au mois d'octobre. J'y suis allée avec Coco en tant que visiteuse et j'avais même gagné à la tombola. Voilà, j'avais gagné un lot de scrap. Et quand j'avais été chercher mon lot chez la personne qui organise le salon, on en avait parlé de ce que je faisais. Voilà. Et donc, la personne m'a contacté elle-même là, via Facebook pour savoir si ça m'intéressait cette année d'y aller en tant qu'exposant. Donc, bah, j'ai dit oui. Pourquoi pas. Pourtant, bon, c'est vrai que j'avais dit après les marchés de Noël que j'en ferai plus. Mais là, bon, c'est pas la même chose. C'est quand même c'est un salon de loisirs créatifs. Loisirs créatifs et scrapbooking. Donc c'est tout le monde sera là pour les gens qui viennent là viennent pour ça. Donc c'est pas comme le marché de Noël. Et puis on sera à l'intérieur. Donc je vais pas me geler et c'est pas la même, ce sera pas du tout la même chose qu'au marché de Noël où j'ai fait un grand fiasco. Voilà, donc là bon, on verra. J'ai la voix qui se barre. Donc voilà,
Donc, je voulais vous parler du coup un petit peu du salon, donc qui aura lieu le 19 octobre à Carvin. Je vous en reparlerai hein, un petit peu avant pour que vous n'oubliez pas de venir. Et puis, je vous montrerai un petit peu avant aussi du coup toutes les créas, une partie des créations que j'aurais faites pour le salon. Voilà, comme ça vous les verrez un petit en avant-première avant de venir au salon. Voilà, bon, je crois vous avoir tout montré pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Avant, oui, je voulais faire un gros bisou particulier à Fanfan Color Scrap, donc à Francine, pour la remercier d'avoir parlé de moi dans sa chaîne. Parce qu'elle m'a acheté une boîte, vous savez, la boîte Betty Boop, la rose. Et par la même occasion, je vous invite à aller découvrir sa chaîne. Fanfan fait du scrap color et de la coloration, du coloriage zen. Et elle fait du scrap color. Donc, écoutez, je vous invite à aller découvrir sa chaîne. Donc, c'est Fanfan Color Scrap. Je vous mettrai le lien également en barre d'infos pour aller la découvrir. Elle fait des jolies choses, elle fait des jolis coloriages. J'aime beaucoup. Moi, vous savez, de temps en temps, je fais du coloriage aussi, hein, quand je peux, quand j'ai le temps. Moi, c'est surtout le soir. Mais je vous invite vraiment à aller la découvrir. Bon, elle n'a pas encore beaucoup d'abonnés pour l'instant, mais justement, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne et aller découvrir ses coloriages sur sa chaîne. Voilà. Elle a également une page sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à aller la découvrir. Alors, Francine, un gros bisou et encore merci pour ta petite vidéo sur YouTube. Voilà, merci beaucoup. Allez, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je souhaite un bon week-end. Donc, pas trop chaud, j'espère, parce que là, du coup, ça y est, la température est baissée. Nous, on a eu l'orage cette nuit, donc ça fait du bien. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, à bientôt, bisous bisous.